C'était une église qui était engagée à servir Dieu. Tous. Il n'y avait pas de gens qui étaient dans un comité. Tout le monde servait Dieu. Et aujourd'hui, il y en a qui se disent, non, moi je suis laïque. Eux, c'est les clergés. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Tel que tu es, mon frère, sache que si tu ne sers pas Dieu, tu pèches. Regarde ton voisin, dis-lui, tu pèches. Non, non, regarde bien en face. Dis-lui, le pasteur dit que tu pèches. Tous servez Dieu. La Bible dit, regardez la progression. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Et à Jérusalem, qui sont ceux qui sont restés là-bas? C'était les apôtres. Qui ont évangélisé la Samarie? Ce n'était pas les apôtres, c'était Philippe, un simple diacre. Qui sont ceux qui ont évangélisé la Judée? Les disciples. Les églises sont nées. Par toi, une église peut commencer. Tu peux faire de ta maison une maison de prière. Dites, venez commencer l'église ici. Les églises de femmes commencent à la maison. C'est pas commencer dans mon salon, à la maison. Aujourd'hui, on aime la vision des grandeurs. Mais Dieu commence toujours petit et il t'amène loin parce que c'est une vision apostolique. Quand tu es dans l'apostolat, tu ne vois pas le commencement, mais tu vois la fin. Tu ne méprises pas les jours de faible commencement, mais tu vois déjà là où Dieu veut t'amener. Sers Dieu. Tous, ils étaient engagés dans le service. Et dans le service, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour la progression du royaume. Et aujourd'hui, on sert, on choisit là où on doit servir. Personne ne veut servir dans les nettoyages. Personne ne veut servir à l'école du dimanche. Tout le monde veut servir à la chorale. Tout le monde veut servir à la prédication. Et j'aimerais te dire, entre moi et quelqu'un qui fait le nettoyage, il est plus grand que moi. Tu n'as pas bien compris. Entre moi et quelqu'un qui fait le nettoyage, il est plus grand que moi. Les parties du corps les plus visibles sont les moins importantes. Sache-le. La partie de ton corps qu'on voit, on peut te l'arracher, tu vas continuer à vivre. On peut t'arracher l'oreille, tu vas continuer à vivre. Mais si on t'arrache le cœur qu'on ne voit pas, tu meurs. Et très souvent, Dieu vous attend dans les choses que où personne ne vous voit. Mais toi, tu aimes tellement être vu, tu dois te répentir. Une église conquérante te dit quoi? Je n'ai pas besoin d'être vu. Mon œuvre est pour... Ici, c'est pour le roi. J'aimerais vous donner un secret, ne dites à personne. Le pasteur vient en semaine de pouvoir nettoyer. Parce que je sais qu'il y a des bénédictions cachées derrière des choses que vous minimisez. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut ma place. Mais moi, je cherche la place invisible où personne ne travaille. Qui veut conquérir? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Tu es le corps de Christ. Christ n'a pas d'autre personne que toi. Souvent tu te dis quoi? Regarde comment tu dis. Si je ne suis pas là, d'autres vont faire à ma place. N'est-ce pas? Maintenant, si lui dit ça de lui, lui dit ça de lui, qui sera là? Et c'est ça la stratégie du diable. Tu es là dans ta tête, tu ne le dis pas. Mais en toi, c'est comme ça. Même si je ne suis pas là, les autres sont là. Et c'est comme ça que le diable affaiblit l'église. La puissance du Saint-Esprit n'est pas descendue tant que Judas n'a pas été remplacé. Dieu est un Dieu apostolique. Il faut 12 apôtres. L'Esprit ne descendra jamais si vous êtes incomplet. Voilà pourquoi des fois on rate des cibles.